Dobardem! Dans le cadre de notre BTS Gestion et Protection de la Nature, nous avons dû réaliser un projet d'initiative et de communication. C'est-à-dire créer et suivre un projet. Nous étions totalement libres dans le choix de ce projet et c'est pourquoi nous avons choisi un projet qui correspondait à nos convictions. Découvrir de nouvelles cultures, échanger avec les enfants et venir en aide aux plus démunis. Notre projet est d'emmener des fournitures et des équipements dans deux orphelinats en Bulgarie, dont les moyens sont limités par la mauvaise connotation de ces établissements dans les pays de l'Est. Afin de sensibiliser d'autres personnes à la cause des orphelins bulgares, nous avons décidé de réaliser un court-métrage qui retracera notre périple. Et ce court-métrage sera diffusé en décembre, lors de notre soirée de retour. Notre première destination sera un orphelinat de filles situé à Toutrakan, dans le nord-est du pays. On va avoir besoin de ramener pas mal d'affaires pour elles, comme des fournitures scolaires ou non, des jeux de société, etc. Et on va passer une demi-journée avec elles, essayer de changer un peu leur quotidien. Notre deuxième destination sera un orphelinat pour garçons, situé au centre de la Bulgarie, à Dragodanovo. On y apportera des jeux, de la nourriture et des affaires de sport. On organisera un petit match de foot avec les enfants là-bas. Si vous voulez nous envoyer des affaires de sport en bon état, bien sûr, vous pouvez toujours nous demander par le biais de Facebook une adresse qu'on vous enverra avec moi. Concernant les dons matériels, nous avons mis en place d'autres moyens d'action. Premièrement, nous allons disposer des bacs dans notre lycée, où les élèves, les professeurs et les étudiants pourront donner des affaires que nous emmènerons au village. Deuxièmement, nous allons mener des actions sur le même principe que les Restos du Cœur pour récupérer des denrées conservables dans les grandes surfaces de notre ville. Et pour finir, nous avons démarché des grandes enseignes pour qu'ils nous sponsorisent. Nous avons besoin de ce financement pour pouvoir partir, parce qu'il faut payer l'essence, les assurances, et éventuellement des problèmes. On ne souhaite pas qu'ils arrivent, mais ils peuvent arriver.